tu connais la pizza liquide. J'ai vu ça tourner sur les réseaux, fallait absolument que je teste. Tu verses déjà l'eau, le sucre et le sel dans un récipient avec l'huile d'olive et tu mélanges légèrement. Tu recouvres le tout avec de la farine à pizza type 00, elle se trouve très facilement au supermarché. Et là, rien de plus simple, tu mélanges le tout à la spatule. Bon, moi j'ai oublié entre temps d'ajouter la levure, toi tu l'ajoutes en même temps que la farine. Bref, du coup, tu mélanges le tout et tu dois obtenir une pâte liquide. Et c'est tout. Ta pâte, elle est déjà prête. Un filet d'huile d'olive dans le fond d'un plat allant au four, tu semoules légèrement la surface pour éviter que la pâte accroche lors de la cuisson et tu verses ta préparation très liquide dans ton plat. C'est très important. Tu vas venir l'étaler très régulièrement comme ça et tu laisses poser une heure à température ambiante, elle va doubler de volume. Une fois que c'est le cas, tu rehuiles un peu la surface, t'ajoutes la purée de tomates pour pizza et t'enfournes à 220 degrés pendant environ 15 minutes. Au bout des 15 minutes, tu la sors du four et tu renfournes avec la mozzarella cette fois-ci pendant 10 minutes. Et là, regarde-moi ça, t'obtiens une